Comme tout physicien, l'astrophysicien s'efforce d'établir l'existence de régularités dans les phénomènes naturels, qui sont alors formulées sous forme mathématique, les fameuses lois de la nature. L'astrophysicien se doit donc d'avoir une certaine familiarité, voire une connaissance approfondie des mathématiques, ce qui requiert nécessairement de nombreuses années d'études. Fatalement, il est donc difficile, mais pas nécessairement impossible, d'utiliser l'outil mathématique dans le cadre d'un projet d'éducation par la recherche avec des élèves de primaire, avec lesquels il est préférable de mettre au point des projets faisant appel à l'observation. Cependant, certaines lois naturelles de grande importance en astronomie ne requièrent qu'un bagage mathématique minime pour être comprises. C'est le cas, par exemple, de la fameuse troisième loi de Kepler, qui relie la période orbitale de chaque planète au demi-grand axe de son orbite autour du Soleil. Pour des élèves suffisamment familiers avec les notions d'exposant et de puissance, il s'agit là d'un merveilleux exemple du genre de régularité que les astrophysiciens cherchent à mettre en évidence dans la nature. Sachant que la Terre est située à environ 150 millions de kilomètres du Soleil et qu'elle effectue une orbite en un an, et disposant d'informations semblables sur les autres planètes du système solaire, on peut imaginer un projet tournant, au sens figuré, autour de cette loi. Par ailleurs, afin de mettre en évidence les régularités naturelles, il est crucial pour le physicien en général, et pour l'astrophysicien en particulier, de noter avec rigueur les conditions de ses expériences ou de ses observations, ainsi que les résultats obtenus. D'où l'importance considérable accordée au fameux cahier du laboratoire, où le scientifique consigne soigneusement ses activités de recherche, en détail, afin de pouvoir s'y reporter à tout moment, et si besoin, de reproduire ses résultats. Une très bonne pratique, par ailleurs peu coûteuse, consiste donc à fournir à chaque aventurier un cahier dans lequel il pourra consigner l'avancée de ses recherches, le carnet du chercheur. Les usages de ce cahier sont sans limite. Suivre l'évolution des phases de la Lune en la dessinant schématiquement, jour après jour, sans oublier de reporter la date de chaque observation. Faire de même avec la position des 4 satellites galiléens ou avec le nombre de taches solaires et leur morphologie. Noter les idées qui nous passent dans la tête lorsqu'on réfléchit à un problème compliqué. Faire des calculs permettant de rendre compte de certaines observations, etc.